Le samedi 1er octobre a eu lieu sur le terrain de Laogué à Agbouville la finale du tournoi Mbolo Martin doté du trophée Fleur Akengbo Esté. Tous deux, respectivement coordonnateur régional du PPACI de la Niépitiassa et secrétaire national technique en charge des nouveaux majeurs. Un tournoi placé sous le parrainage de Mme Agnès Monet, membre du conseil stratégique et politique par ailleurs, maire de la commune d'Agou, représenté pour l'occasion par Seka Pucci Henri. Madame Agnès Monet, me charge de dire à Fleur Akengbo qu'elle a tout son soutien. Qu'elle a tout son soutien et elle demande à la jeunesse d'Agouville, la jeunesse de la Niépitiassa, de se mettre en rang de bataille pour que, ensemble, autour de votre soeur, autour de votre frère, je veux parler de Fleur Akengbo. Bon matin, que nous puissions racheter notre pays. Le coup d'envoi de cette finale qui opposait les villages de Gbangué 1 et Oforogué a été donné par les responsables du PPACI. Au terme du temps réglementaire, le match s'est soldé par un score d'un but partout. Il a donc fallu la séance des tirs au but pour voir Oforogué l'emporter 6 contre 7. Avant la remise du trophée portant son nom, Fleur Akengbo a tenu à saluer l'esprit de cohésion et de convivialité qui a régné tout au long de ce tournoi. Je voudrais féliciter toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi depuis le début, depuis le mois de septembre jusqu'à ce jour. Vous n'avez pas de vérité, ça a été difficile par moments, mais vous étiez présents. Je voudrais vous féliciter. Je voudrais aussi féliciter l'esprit qui a prévalu lors de ce tournoi. Entre nous frères, Abel, nous frères, les autres communautés qui vivent ici à Beauville, nous devons toujours nous entendre et cultiver la paix. Lancé le 21 juillet 2022, le tournoi Mbolo Martin, doté du trophée Fleur Akengbo Esté, a pris fin le 1er octobre.